Alors dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, à la ZEP, la zone d'expression prioritaire, nous accompagnons les jeunes pour les aider à se raconter, à nous raconter leurs expériences de vie. Et ces objets donnent à entendre des réalités et des paroles de jeunes qu'on n'entend pas ou peu dans l'espace médiatique. Nous avons mis en œuvre ces actions d'éducation aux médias qui visent à faire entendre la parole des jeunes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une parole qui est peu ou mal entendue dans l'espace médiatique. L'idée, c'est de rétablir une forme d'équité médiatique. Faire entendre cette parole, c'est l'accompagner, mais aussi c'est la diffuser la plus largement possible. Donc c'est pour ça qu'on a un certain nombre de partenaires médias avec lesquels on travaille, Le Monde, Libération, l'HuffPost, Combini, Phosphore, qui sont autant de relais qui nous aident à diffuser ces récits de jeunes. Je pense que la question de l'éducation et de médias n'est pas qu'une question de jeunesse et encore moins qu'une question de jeunesse des quartiers populaires. Je pense que la question est évidemment essentielle de l'adapter tout au long de la vie, parce qu'on s'aperçoit que les moins jeunes sont aussi confrontés à ces difficultés d'appréhension des médias et des désinformations. Je pense qu'il serait intéressant de faire venir aussi des moins jeunes dans des ateliers d'écriture ou d'expression, où on les mettrait en situation de se raconter. Et là encore, l'effet attendu, c'est de permettre à ces moins jeunes de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une narration, qu'est-ce que c'est qu'un récit, comment on rentre dans un récit et comment on le développe ou on le déploie à travers des argumentations très détaillées, comment on rentre dans du fait et non pas dans de l'opinion.